Prions ensemble. Père, nous voulons te dire merci pour cette heure. Merci parce que nous savons que tu es venu pour nous bénir. Et nous demandons, Seigneur, que ta présence enrichisse toutes les vies, même aujourd'hui, au nom de Jésus. Toutes les formes de peur, de timidité, de manque de colonne vertébrale dans n'importe quelle vie, je prie que tu le pousses loin de nous au nom de Jésus. Fais quelque chose ce matin, quelque chose de précis, quelque chose de défini, quelque chose qui libère, quelque chose qui amène ta bénédiction à s'être multipliée dans toutes les vies au nom de Jésus. Nous bénissons ton nom parce que nous savons que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous prions. Dans Genèse chapitre 15, je lis là pour vous le verset 1. Genèse chapitre 15, le verset 1. Après ces choses, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision disant, « Ne crains point, Abraham. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Ne crains rien, ne crains point, Abraham. Ne crains point, enfant, croyant, enfant fidèle de Dieu. Je suis ton bouclier. » Le bouclier, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce qui est là pour protéger ta vie contre toutes les attaques et cela ne va pas t'atteindre. Et le Dieu Tout-Puissant dit, je suis, j'ai été toujours, et je continue d'être. Je suis ton bouclier, et je suis ta grande récompense. Et il dit que tout ce que tu désires avoir, tout ce que tu espères comme récompense, exaucement de prière, ou quelle que soit la solution que tu espères, je suis cette récompense. Et Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Tu dois demander, tu dois le dire à Dieu. Et tu ne dois pas seulement dépendre de ce que l'autre demande pour toi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu me donneras? Le verset 5. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel. Et votre réponse va venir du ciel. Votre miracle viendra du ciel. Votre provision viendra du ciel. Tout ce qui va vous donner de la joie viendra du ciel. Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Aussi élevé que les étoiles sont, ainsi sera ta postérité. Aussi rapproché du ciel que les étoiles sont, ainsi sera ta postérité. Aussi brillant, aussi lumineux que sont ces étoiles, ainsi sera ta postérité. Aussi nombreux, aussi en grand nombre que ces étoiles sont, ainsi sera ta postérité. Et aussi non touchable, personne ne peut se lever et toucher les étoiles ou lancer une flèche pour toucher les étoiles. Aussi non touchable que sont les étoiles, ainsi sera ta postérité. Quelqu'un là-bas a dit amen. Et Abraham crut, il eut confiance en l'Éternel. Il n'a jamais eu quelque chose de cette forme auparavant. Le Seigneur lui a dit, regarde au ciel, compte les étoiles si tu peux les compter. Et aussi nombreux, aussi numéreuse, aussi incomptable, aussi élevée, aussi intouchable, aussi non conquérable que sont ces étoiles, ainsi sera ta postérité. Il crut, il eut confiance. Il faut croire, il faut avoir confiance en Dieu. Et cela lui fut imputé à justice. Le Seigneur est en train de nous parler ce matin sur le sujet « Ne crains point, la promesse est toujours valable ». Ne crains point. La promesse qu'il a donnée à Abraham, il est en train de lui donner également la postérité d'Abraham. Et le Seigneur est en train de nous dire aujourd'hui, à vous et à moi, que toutes les promesses que vous avez lues dans la parole du Seigneur, tel ça a été, tel cela est également aujourd'hui. C'est encore valable. Ce sera valable dans votre vie au nom de Jésus. Nous considérons trois choses avant de prier. Vous allez prier aujourd'hui. Et le Seigneur va exaucer vos prières aujourd'hui. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Si vous êtes fatigué, vous allez vous asseoir. Mais vous serez en train de prier toujours. Et si vous êtes en train de bâcher ici et là, parce que vous devez être là et là, quel que soit ce que vous allez faire, votre posture, tout ce que vous allez faire, c'est de prier. Et aujourd'hui, le Seigneur va exaucer vos prières. Point numéro 1, la promesse durable de sa présence. La promesse durable de sa présence. Numéro 2, les promesses rassurantes de sa puissance. Les promesses rassurantes de sa puissance. Et numéro 3, la promesse ascendante, c'est-à-dire la promesse qui va en haut, qui va en haut, qui va en haut, qui continue de monter. Ce que vous avez eu hier, le Seigneur va construire, bâtir sur cela aujourd'hui. Ce que vous avez aujourd'hui, il va bâtir sur cela pour demain. Et les promesses ascendantes pour sa provision. Point numéro 1. La promesse durable de sa présence. La promesse durable de sa présence. Exode, chapitre 33. Et je lis le verset 14. Exode 33, le verset 14. Et il leur dit, il répondit, je marcherai moi-même avec toi. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Voyez-vous, il a dit que tu ne seras pas dans un coin, coincé, et tu ne peux pas me retrouver. Non, ma présence ira avec toi. Tu ne peux jamais faire face à un défi que tu ne peux pas être en mesure de m'avoir avec toi. Ma présence ira avec toi. Tu ne peux jamais être à un croisement de chemin où je ne serai pas là avec toi. Ma présence ira avec toi. Il ne sera jamais une tentation, une épreuve, un test élevé, plus élevé que toi, plus grand que toi, que tu ne me trouveras pas, ou trouveras ma puissance, ou ma capacité, mon support avec toi, ma victoire avec toi, ma présence ira avec toi. Vous n'allez jamais traverser les rivières ou gravir une montagne où vous ne me trouvez pas. Ma puissance suffisante sera là avec vous parce que moi, je marcherai avec toi et je te donnerai du repos. Vous aurez du repos. Vous aurez du repos. Tous les défis, tous les troubles, tout ce qui vous dérange dans la vie, le repos est venu. Ésaïe 41. Ésaïe 41, verset 10. Ésaïe 41, le verset 10. Ne crains rien. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin? Quelle est votre peur? Pourquoi votre cœur est-il troublé? Pourquoi votre cœur est en train de palpiter au-dedans de vous? De quoi vous rappelez-vous? Qui vous donne de chagrin et qui met votre cœur en débandade? Quel est le pouvoir de l'ennemi? Et quel est le problème ou le défi qui vous fait face? Oh, le Seigneur te dit ce matin, ne crains rien. Je dis ne crains rien. Je me souviens des années passées, quelqu'un était venu me chercher, me voir, et dans l'une des sessions, après un des messages, et la personne dit, je suis dans le trouble. Et je dis, quel est le trouble? Et il dit, quelqu'un m'a envoyé une lettre avec de l'encre rouge. Et lorsque j'ai lu la lettre, j'ai perdu ma pensée. Et ils sont venus prendre toutes mes propriétés. Lorsque je suis allé à la maison, tout était parti. Dans la maison, tout, il n'y avait plus rien. Et alors, je quittais, je suis en train de me promener de ci et là pour pouvoir trouver quelque chose et chercher de la solution. Et maintenant, je lui ai dit, ne crains rien. Et je vous dis ce matin, ne crains rien. Cet ennemi est déjà vaincu au nom de Jésus. Alors je lui ai dit, Dieu t'a déjà touché. Mais je lui ai dit que il y a ceci, il y a cela dans ta vie, que le Seigneur m'a révélé à propos de toi. Tu dois régler ces problèmes-là. Et alors tu reviens le soir, la session du soir, je vais prier pour toi. Et il était parti avec cette compréhension. ne crains rien. Et les choses que je lui avais dites, il n'a pas argumenté. Il n'a pas dit, mais comment peux-tu savoir cela? Mais je te vois pour la première fois. Pourquoi tu me dis ça? Il est retourné à la maison simplement. Et le soir, avant de venir, il a tout réglé. Il est revenu le soir. Et j'ai dit, maintenant, nous sommes prêts pour prier. Il a dit, non, je n'ai plus besoin de la prière. Il a dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? Il a dit, dès que j'ai fait ce que tu m'as dit de faire, la folie est partie. Et au lieu de la prière, je veux te donner un témoignage. Je cherche quelqu'un ce matin. Oh, ton cœur est là. Tu as déjà un témoignage. Il y a encore des années passées maintenant, nous étions encore à Bagada, avant que Bagada ne soit Bagada maintenant, et avant qu'on ait à BTC, et maintenant nous sommes retournés encore à Bagada. Si vous n'avez pas été à Bagada depuis que nous avons commencé, là-bas en avril ou mai cette année, vous êtes en train de rater des choses, hein? Après cette retraite-là, il faut courir seulement pour aller là-bas. Même s'il n'y a pas de culte ce jour, dès que votre pied touche Bagada comme ça, des multiples bénédictions seront dans vos vies au nom de Jésus. Nous étions à Bagada, c'est-à-dire le siège international de l'église. Un samedi, nous avions fini l'étude des ouvriers, c'est-à-dire la réunion des ouvriers le samedi. Et quelqu'un était venu du nord. Ils venaient de se marier. Et alors ils ont découvert qu'ils ne pouvaient pas, ils étaient stériles. Ils se regardaient seulement. Hein, le moteur ne fonctionnait pas. Alors ils ont dit, nous devons aller à Lagos, nous devons aller à Bagada. Et ils sont venus. Et alors, ils m'ont dit ce qui s'est passé. On vient de se marier, il y a la frustration, il y a la confusion. On ne sait pas ce qu'on doit faire. Nous ne pouvons rien faire du tout. Tout est comme ça, paralysé. Et j'ai dit, va chercher quelque part, rester ce soir. Et après le culte, demain, revenez me voir. Et tout serait normal. Je n'ai pas entendu amen là-bas, là. Et alors, le lieu où ils ont trouvé pour dormir, proche de Bagada, mais voici mes frères, ils sont venus le matin me voir après le culte du dimanche, et j'ai dit, racontez-moi votre témoignage. Je n'ai même pas dit, allons-y maintenant, nous sommes prêts pour prier maintenant, j'ai dit seulement, donnez-moi votre témoignage. Ils m'ont regardé, ils ont commencé par sourire. Et j'ai dit, tout est maintenant. Et la nuit là, le moteur a fonctionné. Tout était normal. Et je vous dis ce matin, tout est normal dans votre vie. Quelqu'un là-bas, tout est normal dans votre vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Il est votre Dieu. Et je te fortifie. Les faiblesses sont parties. La faiblesse est partie. Y a-t-il quelque part de votre corps qui est la faiblesse? Si je dis faiblesse ou maladie, c'est parti au nom de Jésus. Il dit ici que oui, je viens à ton secours. Oui, je te soutiens de ma droite triomphante. La présence de Dieu. Le Seigneur a dit qu'il sera avec vous. Il ne va jamais vous laisser. Il ne va jamais vous abandonner. Et cette promesse est toujours valable aujourd'hui. La promesse durable de sa présence. Point numéro 2. La promesse rassurante de sa puissance. La promesse rassurante de sa puissance. Il n'a pas changé et il nous rassure, qu'il nous donne de la puissance. Il vous donne la puissance ce matin. La puissance ce matin. Qu'avez-vous? C'est la faiblesse que vous avez, non? Qu'avez-vous? La peur, non? Qu'avez-vous? Maintenant, votre temps est venu de regarder à Nebuchadnezzar droit dans les yeux. Parce que maintenant, il y a la puissance. La grand est celui qui est en vous. Plus grand est-il plus que celui qui est dans le monde. Est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, Qui est-ce que tu as, de qui as-tu peur sur la terre? Lorsque tu quittes aujourd'hui, tu quittes la tente aujourd'hui avec la puissance rassurante de Dieu, la puissance demeurante de Dieu, il ne va jamais échouer dans ta vie au nom de Jésus. Regardez ceci dans Luc chapitre 10. Luc 10, 19. Luc 10, verset 19. Regardez. Voici, qu'est-ce qui suit? C'est ainsi que les gens puissants, c'est comme ça qu'ils parlent. Voici. Vous savez, des fois, vous devez traverser votre vie, vous allez voir dans votre vie, avant de dire que vous devez marcher, vous allez rabaisser les yeux, parce que vous avez eu beaucoup d'histoires qu'on vous a racontées de la part de votre grand-maman, que il y a des gens comme ça auparavant, ils avaient la puissance, certains comme ça, ils ont telle sorte de pouvoir, et certains des sortes comme ça, ils ont telle sorte de pouvoir, et quand vous êtes en train de grandir, tout ce que vous avez vu, vous les voyez comme l'histoire, vous les rapprochez de l'histoire de grand-maman et de l'histoire de grand-papa. Et les histoires que vous avez écoutées de la part des autres. Et ils disent, voilà comme ça ils font, c'est comme ça qu'ils regardent les gens, c'est comme ça qu'ils agissent. S'ils font ceci, ils font cela, alors ceci va arriver. Maintenant que tu es en train de grandir, tu as ajouté à tout cela tes informations propres. Et tu as ajouté à tout cela tes propres idées. Maintenant tu as peur de tout le monde. Si le cafard est en train de bouger, tu as peur. Si les fourmis sont en train de faire les ravages dans la... tu as peur. Et si c'est quelque chose qui est en train de tourner, l'air en train de tourner, le vent souffle et il y a tourbillon, tu as peur. Tellement peur des démons, tellement peur des mauvais esprits, tellement peur de Satan que tu n'as pas entendu parler de Jésus. Mais maintenant, les choses vont changer. Tout ce qui a amené la peur dans ta vie jusqu'à ce jour, toutes ces choses sont brisées au nom de Jésus. Et il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Pouvez-vous imaginer quelques de ces prophètes, de ces apôtres, j'allais dire, pouvez-vous imaginer quelques-uns de ces disciples ayant peur de ces puissants de ténèbres, de ces personnes occultes, de cette autre chose dont vous avez peur? Pouvez-vous imaginer dans le Nouveau Testament, un croyant du Nouveau Testament, courant de lieu en lieu, ayant peur de toutes choses et de tout le monde? Non, parce qu'ils avaient la puissance. Vous avez la puissance ce matin. Je dis, vous avez le pouvoir ce matin. Et il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Ils ne vont pas marcher dessus vous au nom de Jésus. Ils ne vont pas ramper au-dessus de votre vie. De jour comme de nuit, vous êtes un vainqueur. Vous allez marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rendez cela personnel, et rien ne pourra menu. Est-ce que vous croyez cela? Vous savez, quelqu'un dit, depuis que je suis rentré dans ce travail, quelque chose court derrière moi et la chose veut me tuer. Il ne peut pas te tuer, mon frère. Regardez la folie de l'homme dans le monde. Dieu est votre Père, il a fait les arbres. Et Dieu, ton Père, a fait que l'arbre a grandi avec les branches et les feuilles. Et ils s'en vont prendre ce que ton papa a créé, les branches et les herbes, j'allais dire les feuilles. Ils mettent tout ensemble et quelqu'un lui demande, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Et il dit, je veux tuer un enfant de Dieu avec quelque chose que le papa de cet enfant a créé. Je me moque de celui-là. Je dis, je me moque de celui-là. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment ça tu vas rire? Moque-toi de lui, non? Il ne peut pas utiliser ce que ton papa a créé pour te tuer. Ce n'est pas possible. C'est pour cette raison... ce n'est pas pour cette raison que Dieu a créé l'arbre. Il vous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et Dites-moi ce qui suit. Et rien ne pourra me nuire. Amen. Éphésiens, chapitre 3. En Éphésiens, chapitre 3. Je lis là le verset 20. Éphésiens, chapitre 3. Nous considérons là le verset 20. Il dit au verset 20, or, quand est-ce que vous aurez avec votre bénédiction? Or, à celui qui peut faire. Cette capacité de Dieu est toujours la même. Dieu n'a pas changé. Sa puissance n'a pas changé. Or, à celui qui peut, il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et de tout ce que nous pensons par la puissance qui agit où? Dans votre cerveau, dans votre système sanguin, dans votre corps, dans votre âme, dans votre cœur, dans votre vie, dans votre famille. La puissance qui agit va agir en vous ce matin. Tout ce qui est en train de vous déranger sera brisé. Tout ce qui est mort va revenir à la vie. Selon sa puissance qui agit en nous. Avez-vous vu cela? Agit, agit, agit. Ça veut dire que cela continue d'agir. Même là, maintenant que je viens de prêcher, ça agit. Même à présent, quand vous écoutez, ça agit. Même maintenant, à présent, quand vous croyez en Dieu, cela agit. Ce pouvoir va continuer d'agir dans votre vie au nom de Jésus. Point numéro 3. Les promesses ascendantes de sa provision. Vous savez, les provisions de Dieu, vous ne pouvez jamais c'est-à-dire arriver à la fin de l'océan de la promesse de la provision de Dieu. Il pourvoit. Et alors, lorsque vous allez avec lui, lorsque vous rentrez avec lui, les eaux de rivière vont atteindre vos chevilles. Et vous savez que, il y en a encore de la part de la source. Et vous allez encore, cela atteint vos genoux. Vous continuez, vous savez qu'il y en a encore là où la bénédiction est venue. Vous continuez d'aller de l'avant et cela atteint votre hanche. Et vous continuez, vous dites, il y en a encore. Et vous continuez, cela atteint toute la poitrine et atteint les seins, continue d'aller de l'avant. Et les bénédictions de l'Éternel sont non mesurables. Continuant d'aller de l'avant, continuant d'aller de l'avant. Et aussi grand que vous pouvez prendre, aussi nombreux que vous pouvez prendre le salut, aussi grand que vous pouvez prendre la guérison, aussi nombreux que vous pouvez prendre la délivrance, aussi nombreux que vous pouvez prendre de ces miracles. Il y a la sainteté, la justice, la sanctification. Aussi grand que vous pouvez prendre, il y a une puissance, immersion dans le Saint-Esprit. Et quand vous allez de l'avant, dans l'océan de la provision de Dieu, vous trouverez que les eaux ont atteint vos poitrines, atteint votre cou et vous atteignent complètement et vous êtes complètement submergé, complètement oublié, complètement perdu dans l'océan de la bénédiction de Dieu. C'est inexhaustible. Cela vous attend ce matin. Je dis cela vous attend aujourd'hui. C'est votre et c'est pour cela que c'est inexhaustible. Dans Romains 8. Verset 32. Romains chapitre 8. Et le verset 32. Il dit que celui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Quand on dit tous, nous tous. Regardez cela. Le salut pour nous tous. La sanctification pour nous tous. La guérison pour nous tous. La délivrance pour nous tous. La domination pour nous tous. La sanctification pour nous tous. La puissance du Saint-Esprit pour nous tous. Toutes choses que Dieu, Jésus-Christ, est mort pour pourvoir sur la croix du Calvaire. disponible. Et il dit, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses? Comment? Est-ce que je vous entends maintenant? Est-ce que vous m'écoutez? Ne nous donnera-t-il pas toutes choses? Il vous donnera. Toutes choses sont vôtres. Je dis toutes choses sont vôtres aujourd'hui. La paix de Dieu, c'est pour vous aujourd'hui. La pureté, c'est pour vous aujourd'hui. La puissance, c'est pour vous aujourd'hui. C'est la provision, c'est pour vous également aujourd'hui. Psaume 81, verset 10. Psaume 81, verset 10. Êtes-vous là maintenant? Ouvrez votre Bible, ouvrez votre Bible. Ouvrez-la, ouvrez-la. Psaume 81, le verset 11, Louis II. Avez-vous ouvert cela? Qu'est-ce que vous avez trouvé là? J'étais, je serai. Qu'avez-vous vu là? Je suis, le grand je suis, le grand je suis. Il n'a pas changé, il n'a jamais changé et il ne change jamais. Et la promesse est toujours valable aujourd'hui. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait surmonter du pays d'Égypte. Qu'est-ce qui suit, qu'est-ce qui suit, qu'est-ce qui suit là? Répétez-moi ce qui est là. Qu'avez-vous vu? Criez cela très fort. Ne permettez pas que Satan vous empêche de parler. Parlez-moi ça, dites-moi ça. Ne laissez pas la peur fermer votre bouche. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Ça, c'est ce qu'il dit, que quelle que soit la grandeur ou l'ouverture, la grande ouverture de ta bouche, le Seigneur va te bénir ce matin. Et le Seigneur est en train de te dire qu'il va faire que tes bénédictions seront nombreuses dans ta vie au nom de Jésus. Ouvre grandement ta bouche et ne sois pas en train de bâiller. Il faut dire quelque chose. Il faut lui dire ce que tu as, ce dont tu as besoin. Il faut lui dire ce que tu veux qu'il te fasse. Et les bénédictions vont couler, vont couler, vont couler dans l'homme multiple, dans votre vie aujourd'hui, au nom de Jésus. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20. 2 Chroniques 20, 20. 2 Chroniques 20, verset 20. 2 Chroniques 20, 20. Et ils se levèrent de bon matin. Le lendemain, ils se mirent en marche. Et de grand matin pour... Nous sommes à quel moment de la journée maintenant? Le matin, le matin. Et c'est la même chose, de grand matin. Et ils se mirent dans le désert de Tekoa. Et à leur départ, comment est-ce que la vie était tellement troublante dans la ville? Et là, ils sont partis maintenant, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Vos bénédictions sont affermies. Le salut sera affermi. La sanctification sera affermie. La sainteté et le baptême dans le Saint-Esprit sera affermi. La guérison sera affermie. La délivrance sera affermie. Croyez en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Croyez la déclaration de ces prophètes et vous réussirez. Ce moment est venu. Ne crains point, la promesse est toujours valable. Ne crains point, la promesse est toujours valable. Maintenant, vous devez vous lever et vous allez ouvrir votre bouche grandement. Et le Seigneur dit, je vais la remplir. Ouvrez votre bouche correctement et je la remplirai. Priez maintenant, priez maintenant. Nous sommes venus maintenant à un moment très sérieux de la prière. Ne badinez pas avec ce moment. Que personne ne dise Amen et commencez par taper les mains. Non, nous ne voulons pas ça. Que cet enfant, l'enfant qui est dans le royaume céleste, le royaume spirituel, on ne veut pas Amen de la part de quelqu'un qui est fatigué, qui est assis. Nous sommes tous unis et nous devons prier. Je ne veux pas que les acclamations nous arrêtent la prière, que personne n'acclame. Nous voulons seulement prier. dans la présence de Dieu de façon sérieuse par des gens qui sont en train de faire des rascas, ils sont en train de partir, de venir. Il n'y a pas de façon non attendue dans la maison de Dieu aujourd'hui. Nous venons maintenant pour prier. Nous voulons chercher que le ciel soit ouvert et que les bénédictions de Dieu descendent sur tout le monde. Que chacun soit sérieux. Tout le monde, soyez sérieux et ouvrez votre bouche largement. Ouvrez votre bouche. Avez-vous besoin du salut? Ouvrez la bouche. Avez-vous besoin de la sanctification? Ouvrez la bouche. Avez-vous besoin de la guérison? Ouvrez la bouche. Avez-vous besoin de la délivrance? Ouvrez la bouche. Dites-le, dites-le, dites-le à Dieu. Parlez, parlez. Que voulez-vous qu'il vous fasse? Les peurs que vous avez, les craintes que vous aviez auparavant, toutes ces choses, palpitations du cœur que vous aviez auparavant qui sortent de vous, toute cette timidité, la peur, le Seigneur vous demande ce matin, ouvre largement ta bouche et je la remplirai. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse pour vous? Vous venez devant le Seigneur ce matin et vous allez dire, Seigneur, je crois que Seigneur tu es là, je crois au Seigneur et je crois aux promesses de Dieu. Et vous serez établis, vous serez affermis. Les promesses de Dieu seront établies. Abraham a cru au Seigneur et cela lui fut imputé à justice. Dites-le, dites-le, dites-le lui. Soyez victorieux dans votre vie. Vous n'avez pas été victorieux auparavant dessus le péché. Vous n'avez jamais eu la victoire dessus des tentations. Dans le privé, vous n'avez pas été victorieux. Dans votre vie personnelle, vous n'avez pas été victorieux. Dites à Dieu ce matin et que le salut soit pur, soit authentique et que ce jour soit le grand jour de la puissance de Dieu dans ta vie, d'aller, de ne plus pécher. Parlez à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, il l'a dit, je ne te condamne plus de ne pas le passer. Maintenant, la grâce est disponible. La bonté de Dieu est disponible. La grâce de Dieu qui amène le salut est là, est apparue à tous les hommes. Ouvrez la bouche largement et il la remplira et il vous pardonnera. Ouvrez largement votre bouche et il va transformer votre vie. Ouvrez votre bouche largement et il vous donnera la puissance de mener la vie au-dessus du péché. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché. La semence de Dieu demeure en lui et en lui. Il ne peut pas pécher. Parce qu'il est né de Dieu. Ouvrez largement la bouche. La justice viendra avec le salut. La vie pure viendra avec le salut. La conscience pure, la conscience claire viendra avec le salut. La grâce de mener la vie juste. Et la grâce de faire de rendre ce qui est mauvais, ce qui est en train d'être tout dans votre vie. La grâce pour restaurer. La grâce pour faire la restitution. La grâce pour mener la vie, de vainqueur. Il va vous donner cela. Ouvrez largement la bouche et je la remplirai. Le salut dans votre âme. Le salut dans votre esprit. Le salut dans votre cœur. Un sort de salut qui vous donne de vivre la vie juste, pieuse. Le salut qui vous donne de surmonter le monde. Ouvrez largement la bouche et je la remplirai. Le salut qui rend votre vie transparente, qui rend votre vie bonne. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici... toutes choses sont devenues nouvelles. Le salut. Il va sauver votre âme. Et vous donner la grâce de mener une nouvelle vie. Et ce sera une vie qui est consacrée à Dieu. Une vie qui est complètement soumise à Dieu. Dis-le, dis-le, dis-le à Dieu. Ouvrez la bouche largement. Ouvrez grandement votre bouche. Ouvrez grandement votre bouche. Ouvrez votre bouche grandement. Avez-vous quelque chose dont vous allez vous repentir? Repentez-vous donc. Ces individus qui sont en train d'acclamer là-bas, j'ai dit que je ne veux pas que vous acclamez. La prière, ce n'est pas des acclamations. Si vous voulez que votre prière soit exaucée, nous ne voulons pas de tapage dans les mains. Taper dans les mains, taper dans ça, ce n'est pas de la prière. Cessez et priez sérieusement. Obéissez à la parole de Dieu et le rafraîchissement viendra sur votre vie. Priez simplement, priez sérieusement, parlez à Dieu. Ouvrez largement votre bouche et je la remplirai. Le vrai salut. Le salut qui amène l'obéissance. Le salut qui amène la soumission à la parole de Dieu. Le salut qui nous montre le respect envers le nom de Dieu, dans la maison de Dieu. Le salut qui vient avec la justice. Le salut qui vient avec la soumission à la parole du Seigneur. Ouvrez largement votre bouche. La puissance pour de la vie, la nouveauté de vie, il vous la donnera. Il vous la donnera. Le salut que le peuple avait dans les jours de la Bible. Le salut qui était notable, et un changement remarquable dans leur vie, la transformation, le détour dans leur vie. Parlez à Dieu, ça c'est le salut qu'il donne et il n'a pas changé. La promesse est toujours valable. Arrêtez d'acclamer, priez. Je n'ai pas dit d'acclamer. Il n'a pas dit d'acclamer. Il a dit, ouvre ta bouche, parle-moi, dites-moi, parlez à Dieu. Ce n'est pas acclamer à Dieu. Et je vais te donner, a-t-il dit. Il donne le salut. Il donne la guérison. Il donne la délivrance. Parlez à Dieu. Et le Seigneur est capable. Il est capable de faire tout ce que nous demandons. Nous demandons la guérison. Il est capable. Nous demandons la délivrance. Il en est capable. Demandons la victoire. Il en est capable. Demandons la puissance. Il en est capable. Demandons de l'onction qui brise les jougs. Il en est capable. Maintenant, oh, à celui qui peut faire au-delà, infiniment, de ce que nous avons demandé, le salut, la justice, à la sanctification, passant de la sainteté à la pureté de cœur, tout ce que nous demandons, le ticket pour aller au ciel, heureux ceux qui ont le cœur pur, car c'est eux qui verront Dieu. Il est capable. Capable de faire. Capable de faire. Capable de faire. Au-delà. Infiniment grand. Au-delà de tout ce que nous demandons. Dis-le lui. Il vous a invité à prier, à demander. Et il dit qu'il va faire. Le changement là doit venir. La transformation là doit venir. Cette nouveauté de vie doit venir. La puissance doit venir à l'intérieur de vous. Et vous saurez que je ne peux pas faire ce que j'ai fait auparavant ou ce que je faisais auparavant. Je ne peux plus fumer. J'ai l'habitude de fumer auparavant. Je ne peux plus boire de l'alcool comme j'ai l'habitude d'en boire. Je ne peux plus maintenir une relation impure avec un homme, avec une femme. Je ne suis plus dans la fornication, dans l'adultère, comme j'avais l'habitude de faire auparavant. Les choses sont différentes maintenant. Qu'il vous donne ce pouvoir. Recevez ce pouvoir qui amène le changement dans votre vie. Si vous demandez, ouvrez largement votre bouche et il la remplira. Il la remplira avec le salut. Il la remplira avec la grâce. Il la remplira avec le pouvoir. Il la remplira avec l'assurance. Il la remplira avec la nouveauté de vie. Et la nouveauté de vie qui vous donne de vivre la vie d'un vrai enfant de Dieu. Ce qui est sobre, qui est sérieux, qui est obéissant, qui est soumis, qui est abandonné à la parole du Seigneur. Demandez-le lui. Demandez-lui sa présence. Il dit qu'il va aller avec vous. Et si sa présence est là avec vous, vous allez traverser et briser tout pouvoir. Vous allez briser toute personnalité. Vous allez les écraser. Ces personnes qui essaient de marcher contre vous, ouvrez largement votre bouche et je la remplirai. Ouvrez largement votre bouche et je la remplirai. Vous avez la balle dans votre camp. Le résultat final, c'est entre vos mains. Ce que vous allez avoir dépend de ce que vous demandez. Le salut qui nous rend libres du péché. Il est notre sauveur. Il se tient à la porte de votre cœur et il est en train de frapper à la porte, de cogner à la porte. Et si quelqu'un écoute sa voix et qu'il lui ouvre la porte, il va entrer, il va souper avec lui, il va lui donner une nouvelle vie, la vie du ciel, la vie de la gloire, une nouvelle vie, la vie juste. Il va donner à celui qui demande. Comme vous êtes sauvés et que l'Esprit de Dieu témoigne dans votre cœur, vous êtes sauvés. Allez-y, allez-y, allez-y. L'océan de la grâce de Dieu est profond. L'océan des provisions de Dieu est profond. Si vous êtes seulement sauvé, vous êtes encore au rivage. Allez de l'avant. Jusqu'à ce que l'eau continue de monter et atteigne vos genoux, votre hanche, et qui vous submerge complètement. Il sauve, il sanctifie, il purifie, il baptise dans le Saint-Esprit, il nous donne le pouvoir, la puissance d'en haut, la puissance qui vous donne de tenir ferme, non compromettant. Et la puissance qui vous rend de faire, ou vous donne de faire le juste, la chose bonne, quel que soit le défi. Vous recevez le pouvoir. Après que la puissance de Dieu est descendue sur vous. Et vous serez mes témoins, des témoins intrépides. Les témoins persuasifs. Les témoins fermes. Vous serez des témoins pour moi à Jérusalem, dans la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dites-le à Dieu. Ouvrez largement votre bouche et je la remplirai. Ce que je ne vois pas. Quelles sont les choses que le Seigneur veut que tu corriges dans ta vie? Fais les restitutions. Parle à Dieu de te donner la grâce. Vous avez besoin de la conscience claire. De demeurer en communion avec le Seigneur. Vous avez besoin de la conscience claire. Pour demeurer dans le service du Seigneur. Il va dire, Seigneur, je me sacrifie. Et j'avais besoin de la conscience claire. Pour demeurer dans votre chemin sur le ciel, pour aller au ciel. Vous avez besoin de la grâce pour faire que les choses mauvaises soient rendues justes dans votre vie. Demandez-lui de vous donner la grâce. Il va vous fortifier. Il va vous donner de l'énergie. Il va vous donner le pouvoir de faire ce qui est juste et de mener la vie selon que l'Écriture le dit. Et la façon dont le chrétien doit vivre. Oh, toi qui exauces les prières, c'est vers toi que toute chair doit venir. Le temps de la retraite, c'est le temps de la prière. Priez pour des choses qui vaut la peine, qui valent la peine. Priez pour des choses qui sont significatives. Priez pour des choses qui sont spirituelles. Si c'est seulement dans cette vie que vous avez de l'espoir en Christ, vous êtes de tous les hommes les plus misérables. Mais si nous avons l'espoir du ciel, l'espoir de communier avec lui, ça c'est le réel espoir. Dites-le à Dieu. Je ne veux plus demeurer tel que je suis, faible comme j'ai été. Je veux être fort spirituellement. Plus de questions dans ma pensée. Plus de demander pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi on ne fait pas ceci, pourquoi on ne fait pas cela. Marchez comme un pèlerin sur le chemin de la sainteté. En ne regardant pas derrière, donnez-moi la force, Seigneur. Donne-moi la force, Seigneur. Donne-moi l'onction, Seigneur, qui brise tout joug. Et rends-moi confiant, vivant la vie de justice et de sainteté tous les jours de ma vie. Dis-le, 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 la grâce est disponible. C'est pour cette raison que la retraite est organisée. Une nouvelle vie, une vie élevée, une vie profonde, une vie juste, une vie renouvelée, une vie transformée. La puissance de mener la vie courageuse selon la parole du Seigneur. Ouvrez la bouche largement et je la remplirai. Il vous rassure que vous êtes sauvés. Allez de l'avant. Il veut vous sanctifier votre cœur. Il veut purifier votre cœur. Il veut faire que vous viviez de façon honnête, et transparente, selon l'espérance ou l'attente de notre Dieu Saint. La sainteté dans la famille, la fidélité au mari, la fidélité à ta femme, la fidélité à la parole du Seigneur, parler à Dieu, la puissance pour avoir ce changement et cette transformation de vie. Il est présent, sa présence, vivant au-dedans, vivre dans sa présence à tout moment. Vous n'allez pas faire ce qu'il ne veut pas voir. Vous n'allez pas dire ce qu'il ne veut pas entendre. Parce que vous êtes en sa présence à tout moment. Et il voudrait que vous menez la vie sans avoir peur, dans la sainteté, dans la justice devant lui, tous les jours de votre vie. Celui qui clappe encore, il est rebelle. Ça, il faut prier. La rébellion délibérée demande que vous n'êtes pas encore sauvé. La rébellion délibérée demande que vous n'êtes pas, encore la grâce de Dieu dans votre vie. La rébellion délibérée démontre que vous n'êtes pas en train de vivre selon l'Esprit de Dieu. Ouvrez la bouche et priez. C'est la consigne claire. Ouvrez la bouche largement et priez. Il a dit, je vais la remplir. N'acclamez pas. Priez, priez. Seigneur, ta promesse de le salut total, le salut plein, la vie éternelle, la vie en abondance. Je veux expérimenter cela. La vie d'obéissance, je vais l'expérimenter. Dites-le à Dieu et menez la vie. La vie d'un vrai enfant de Dieu. Ce n'est pas la vie d'un incroyant, la vie d'un rétrograde. Ouvrez largement votre bouche et je la remplirai. Les promesses ascendantes de la provision divine. Vous avez reçu assez? Non. Vous avez besoin de plus. Seigneur, donne-moi plus. Dites-le à Dieu. Qu'il vous donne encore, qu'il vous immerge, qu'il vous enfonce dans cet océan de la provision divine. Qu'il opère l'opération dans votre cœur, l'opération dans votre âme, l'opération dans votre corps. Parlez à Dieu d'accomplir toutes les promesses qu'il a faites. Il a dit, je suis Dieu et je ne change pas. Je suis Dieu, je ne change pas. Et les promesses n'ont pas changé. Les promesses n'ont pas changé. Il est capable d'assouplir votre cœur. Il est prêt de rendre votre cœur souple. Il est prêt de sanctifier votre cœur. Il est prêt de vous tourner vers la réelle direction. Parlez à Dieu. Ô Seigneur, me voici. Je veux te servir dans la sainteté, te servir dans la justice, te servir avec le courage, te servir avec la conviction. Il vous a ordonné d'ouvrir votre bouche largement. Et il a promis de remplir cette bouche. Soyez sûrs de votre salut avant de cesser de prier. Soyez précis à propos de votre expérience de sanctification avant de cesser de prier. Qu'il y ait là le témoignage divin et céleste de cette personne dans votre cœur, dans votre vie, afin que vous ne soyez pas comme un cymbale qui résonne seulement, un vase vide qui n'est pas rempli, sans l'énergie, sans la puissance, afin de ne pas partir sans être imbibé dans la puissance céleste. Dites-le à Dieu. Il vous a ordonné d'ouvrir largement votre bouche. Faites-le. De prier. Faites-le. De chercher sa face de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre pensée. Faites-le. Et vous me chercherez, vous me trouverez. Lorsque vous me cherchez de tout votre cœur. Il veut renouveler votre vie. Faites, laissez-le le faire. Il veut réveiller votre vie. Laissez-le le faire. Il veut refigurer, reconfigurer, vous redonner l'énergie. Laissez-le faire. Afin que vous soyez en mesure de mener la vie d'une façon plus élevée. Une façon plus élevée que vous n'avez jamais expérimentée. Élevée dans la conviction. Plus élevée dans la vie nouvelle. Plus élevée dans la justice. Plus élevée dans l'obéissance à la parole du Seigneur. Dis-le lui. Il va le faire dans votre vie. Et rappelez-vous, j'ai dit que lorsque vous acclamez, vous voulez arrêter la prière, ça ne marchera pas. Tout ce que vous faites pour arrêter la prière, ça ne marchera pas. La rébellion ne va pas arrêter Dieu d'agir. Vous serez le perdant. Parlez à Dieu, dites: Seigneur, me voici. Je veux que tu fasses en moi tout ce que tu as promis de faire. Et il va le faire. Si le ciel est votre but, demandez-le de vous aider. Qu'il vous sauve authentiquement. Qu'il vous pardonne et lave votre vie. Et vous rende prêt pour le ciel. La désobéissance ne vous rendra pas prêt pour le ciel. La vie charnelle ne vous rendra pas prêt pour le ciel. La rébellion habituelle ne vous rendra pas prêt pour le ciel. Oh Seigneur, touche mon cœur. Laissez-le toucher votre cœur. Vous détourne, vous transforme. Vous donne le salut biblique, réel, le salut du Nouveau Testament. Que vous ne continuez plus dans le péché. Il veut vous donner le salut qui résulte dans l'obéissance à la parole du Seigneur, le salut qui accompagne la justice, le salut qui sera en train d'inviter et d'être obéissant à la parole du Seigneur, qui vous dit de faire la volonté de Dieu en faisant la restitution, le salut qui vous fait partir et ne plus pécher. Dis-le lui, il va le faire. Il va changer votre vie. Il va affaiblir la nature adamique dans votre vie. La crucifier complètement dans votre vie. Et jusqu'à ce que cette nature adamique soit disparue de votre vie. Laissez-le faire. Ouvrez largement votre bouche et je la remplirai. Ouvrez largement la bouche et je la remplirai. Vous n'allez plus demeurer les mêmes personnes. Vous ne serez plus au même niveau. Le même niveau spirituellement, vous ne serez plus. Vous devez aller de l'avant. Allez de l'avant. Allez plus en haut. Le Seigneur a exaucé nos prières au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, nous te bénissons pour ta parole aujourd'hui. Ne crains rien, la promesse est toujours valable. Seigneur, nous prions, n'importe quelle forme de peur disparaisse au nom de Jésus. Toutes les promesses que tu as données pour le salut, toute promesse que tu as faite pour la justice, toute promesse que tu as faite pour la sainteté, la sanctification, toute promesse que tu as faite pour la puissance de cet esprit, toute promesse que tu as faite pour le remplir, la délivrance de guérison, confirme dans toute la vie au nom de Jésus. Fais ton œuvre dans toute la vie. Accomplis l'opération dans tous les cœurs. Touche tout le monde. Et que l'abondance des bénédictions de Dieu vienne sur tout le monde au nom de Jésus. Toute promesse que tu as faite, nous réclamons. Et nous avons ouvert notre bouche et nous avons parlé à toi à propos de ça. Confirme cela dans toute la vie. Merci Seigneur parce que nous savons que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous prions. J'attends de voir qu'il n'y a pas d'acclamation. Durant toute la retraite, je veux que vous sachiez, si je prêche la parole de Dieu et que d'autres prêchent la parole de Dieu et que nous n'obéissons pas, je vais revenir exactement sur cette parole de Dieu et je vais continuer de le dire, dire la même chose, mettre l'emphase sur la même chose jusqu'à ce que vous compreniez. La sainteté, la justice, la obéissance, c'est la chose numéro 1 que nous devons avoir dans la maison du Seigneur. Nous ne sommes pas là pour arrêter l'église et remplacer l'église par les soirées dansantes et remplies de gens, rebelles qui veulent détruire tout ce qui est placé là, que le Seigneur est en train de faire. Si vous avez un voisin, un ami qui est un brouilleur, qui est là seulement à embrouiller les choses et seulement embrouiller les cartes, qui ne veut pas oublier la parole de Dieu, il veut être un rascal, quelqu'un qui veut détruire et veut faire de désordre, il faut lui parler. Si vous êtes là, vous ne voulez pas le salut, vous ne voulez pas aller au ciel, nous pouvons vous laisser, vous allez partir à la maison. Nous ne voulons pas tout le monde ici. Mais ceux qui veulent servir le Seigneur, qu'ils restent ici. Est-ce que je dis vrai? Alors, que ceci soit la retraite de la vie profonde, l'église biblique. Si vous ne voulez pas faire partie de ça, nous vous relâchons. Allez à la maison. Nous vous laissons partir. Nous allons rester ici et nous allons avoir la vie chrétienne profonde à partir de maintenant jusqu'à la fin au nom de Jésus. Rappelez-vous, si vous résistez à la parole de Dieu, je vais revenir et je vais répéter la même chose à laquelle vous êtes en train de résister. Si vous ne voulez pas la prédication, je vais vous donner des messages de 20 minutes et vous allez passer tout le reste du temps à prier, si c'est ce que vous voulez. Nous allons avoir une église qui est obéissante au leadership et tout membre de l'église, tous les ouvriers de l'église, nous devons être des obéissants. Pourquoi? Parce que c'est la seule voie pour aller au ciel. Et nous avons, je vous ai pris pour aller au ciel et je suis sûr que vous serez là-bas. Quelqu'un n'a qu'à crier Amen. Et merci beaucoup de n'avoir pas acclamé.